Jamarley, bienvenue sur Deji Magazine. Merci. En quelques mots, vous pouvez vous présenter vous-même pour ne pas que je puisse faire des erreurs. Jamarley, artiste rappeur, d'origine congolaise. J'évolue au sein du groupe, le label Belle Rage Music, depuis bientôt, je pense, 4 ans que le label existe. Voilà. Sinon, pour mieux, voilà. Ça fait 8 ans que j'exerce. Waouh! C'est beaucoup ça, 8 ans. C'est toute une carrière. Ouais, relativement. Bien sûr, on est là pour les questions, Mais bien avant ça, une question, une chose qui me taraude un peu l'esprit là, en ce moment. Pourquoi la barbe rouge? Comme ça, ça m'est arrivé comme ça. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit que j'avais envie de me teinter la barbe et je l'ai fait. Rien de particulier. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ça vous va quand même, ça vous va très bien. Merci. J'aime bien. Merci. Vous venez de dire que vous vous êtes levé d'un coup de tête, vous avez fait un barbe en rouge. Oui. Ça vous arrive comme ça de faire des choses d'un coup de tête? Ouais, je pense que la plupart des gens font les choses par coup de tête des fois, ça arrive. Bon, de là... C'est une idée quand même. Excuse-moi de vous couper, on peut se tutoyer, non? Ouais, c'est mieux, ouais. Ah, c'est mieux. Merci, le dia. Bon, je disais donc, c'est vrai que beaucoup de gens font les choses par coup de tête. Mais de là, je voulais dire, comment d'où vient l'inspiration en fait? C'est en écoutant une prod, d'un coup, l'esprit vous vient, vous écrivez ou bien vous écrivez les textes bien avant? Ça dépend, ça dépend. Je peux avoir, à la base, quand je commençais, j'écrivais beaucoup sans les instrus parce que je ne savais pas comment écrire sur les instrus. J'avais du mal à avoir les instrus. Après, j'ai appris à écrire sur des instrus et je trouve ça. Je pense qu'un texte écrit sur un instru est des fois meilleur, est beaucoup plus meilleur qu'un texte écrit comme ça. Sinon, l'écriture, vous en avez depuis très longtemps. La base même, moi, ma base à moi, c'est l'écriture. Ah bon? Avant de commencer à écrire des textes de rap, j'écris d'abord. J'écrivais des histoires en fait. Ah d'accord. Toute une carrière. Carrière d'écrivain aussi en quelque sorte. Non, bon, tous les artistes qui écrivent, qui composent des chansons, c'est comme des écrivains. Ouais, je vois, je vois. Ok, Lydia. Eh bien, vous venez de dire que vous êtes dans la musique depuis 8 ans déjà. 8 ans, ça fait beaucoup. Avec votre carrière, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez eu à faire durant ces 8 ans, une mixtape, un album. Pour savoir. J'ai travaillé sur des albums, par exemple, mon DA, mon directeur artistique, et aussi un grand frère, Teddy Benzo, je travaille sur son album. Je travaille sur l'album du label, du groupe Belle Rage Music. À mon actif, moi-même, j'ai travaillé sur des projets, mais je ne les ai jamais finalisés parce que j'ai jamais eu le temps. Soit j'étais en voyage, soit j'étais pris par la scolarité et tout. D'accord, d'accord. Ah, un artiste est bien évidemment, bien aussi un étudiant en parallèle. Ouais, en comment parallèle. Vous faites pour gérer ces deux choses? Entre la musique et les études. Parce que je vois là que vous faites des études d'ingénieur en fait. Ouais, je fais des études d'ingénieur, je suis futur ingénieur en génie industriel. Une grosse tête quoi. Ah, Inch'Allah. Ben. Donc pour venir à ta question, c'est une question d'organisation à la base. Et puis comme ça fait quand même un bout de temps que j'en fais, donc la musique comme je t'ai dit tantôt, ça fait 8 ans. Donc quand j'ai commencé à en faire, j'étais encore en train de préparer mon BPC je pense. Donc c'est une question d'habitude. Des fois ça peut me créer des blocus au niveau de ma scolarité parce que des fois j'ai un problème, des fois j'ai envie de travailler, des fois je dois travailler et j'ai une inspiration, donc c'est des fois compliqué. Mais on s'adapte, on met les priorités en enjeu. Parce qu'on sait que c'est mes études qui passent avant, donc je les fais passer avant. Bien évidemment, c'est une question de priorité comme on vient de le dire. Ouais. En fait, vous êtes dans un label. C'est vrai que vous avez commencé à écrire, vous avez dit à écrire depuis 8 ans. Oui, oui. Vous êtes dans un label depuis 4 ans. Vous avez eu beaucoup de collaborateurs comme Teddy Benzo, la Big Tiger, Big Tiger. Oh, Big Tiger, pas lui. La Mixtone, Ludafric et bien d'autres. Bien d'autres. Comme Sosé par exemple. Oui, ils sont nombreux, Sosé. C'est une bonne chose.
Mais parmi ces artistes-là, si je peux me permettre, mm-hmm. avec qui vous aimeriez encore bosser? Bon, vous avez aimé bosser. Avec qui j'ai aimé bosser? Je dirais tous. C'est pas tous. Tous. C'est pas pour, c'est pas pour faire genre j'ai envie de discriminer les autres ou comment, mais tous. Parce que Teddy Benzo, il a sa touche à lui. Il a un univers qui me ressemble beaucoup. Il est très hardcore, underground et tout ça, j'aime bien. Big Tiger, pareil, il a un univers propre à lui. Saouzi, il a une vibe qui tue. On a fait des super morceaux ensemble. Et Mixtone encore, c'est, pour moi, c'était vraiment, vraiment, c'était vraiment un privilège et un plaisir de faire la collaboration avec lui parce que je le connaissais depuis beaucoup de temps. Mais on n'avait jamais collaboré parce que je trouvais pas le bon filon, quoi. Et quand j'ai eu la bonne touche, j'ai décidé qu'on fasse le morceau. Et ça m'a fait énormément plaisir. D'accord. C'est bien. Bon. Ludafrique, pour, comme vous avez cité aussi Ludafrique. Ouais. Ludafrique, par contre, avec lui, j'ai voyagé pour qu'on fasse le feat. Donc, j'étais en voyage dans sa ville à lui parce qu'il est à Brazzaville. Moi, je suis de Pointe-Noire. Et il m'a super bien reçu. C'était quelqu'un de très humain. Donc, c'était un plaisir, c'était un kiff, quoi. Inch'Allah, on va revenir encore sur vos collaborateurs. Ouais. Avec qui vous avez eu à faire beaucoup de choses. Mais de votre côté, vous-même, vous avez beaucoup écrit, comme vous l'avez dit, bien évidemment. Ouais. Vous avez beaucoup de chants, beaucoup mmh. de titres. Mmh. Parmi ces titres-là, quel est le titre qui vous a plus marqué? Quel est le titre que vous aimez le plus, qui vous touche? C'est difficile parce que les morceaux, pour moi, je pense pour plein d'artistes aussi, c'est... Les chansons, c'est comme des enfants, quoi. Tu choisis pas quel est ton enfant que tu aimes le plus ou que tu aimes le moins et tout ça. Mais il y a des chansons, par contre, quand je les écoute, j'en suis très fier. Par contre, je dirais que c'est la chanson qui a le plus fait plaisir à ma mère. C'est grâce à cette chanson même que ma mère a découvert que je faisais de la musique. Donc le titre de cette chanson, c'est « Mes larmes ». C'est vraiment la première chanson qui a mis les gens d'accord autour de moi. Donc c'est une chanson qui, pour moi, est très mémorable. Et je l'adore, en fait. Donc, c'est l'une de vos premières chansons. C'est votre première chanson ou bien c'est... C'est l'une de mes premières. L'une de vos premières. Dans le top 3. C'est parce que vous a permis aussi d'entrer dans Belle Rage. Ce qui vous a permis d'être accepté, quoi, en tant qu'artiste. Oui, oui et non. Oui et non, parce que à la période où j'ai sorti le morceau Mes larmes, oui. J'avais fait un featuring avec un ami qui est Dial Boss, un frère. Et par rapport à ce morceau, quand Belle Rage nous a découvert, ils ont kiffé notre vibes. Parce que Mes larmes, c'est un morceau qui est chanté, c'est vrai que les couplets sont rappés, mais par contre, à fond la caisse, c'est un morceau qui est très rap. Et le but de Belle Rage, c'était de pouvoir former des rappeurs et produire des rappeurs. Donc le morceau, je pense, qui a vraiment intrigué Belle Rage à pouvoir nous signer, c'était le morceau à fond la caisse, le duo avec mon frère Dial Boss. Ok. Il n'y a pas lui, Dial. Ok. Maintenant, essayons un peu de quitter la musique. Ouais. Juste une question entre nous. Ouais. Vous avez une fiancée ou une femme? Merde. Une copine? Ou des Merde. Copines? Ni une copine, ni des copines. Je suis agent libre. Comment? Je suis agent libre. Ni des copines, ni une copine. Comme le dit un certain rappeur. Qui ça? Bon, je donne le nom. Vous n'avez pas de copine que de fille avec qui vous... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu ma vie privée, je ne vais pas en parler, c'est des ébats, des histoires comme ça. C'est, mais il faut que vous attendiez à ce que votre vie privée devienne publique, vu que vous êtes un artiste. Oui, mais on essaye toujours de préserver ce côté-là, après. Parce que après la musique, c'est la télé et tout ça, mais après ça, il y a un univers. Quand je vais chez moi, il n'y a pas les caméras, donc c'est pas kiff-kiff. Ok, voilà. On va en revenir. Jamaleo, yeah. Mr. Point Blank, dans la douce.